Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Mayana aux commandes d'un jeu que j'ai un peu attendu, que j'ai beaucoup apprécié, dont j'ai raté la campagne de financement, qui s'appelle donc CrossCode, qui est un bon petit ARPG avec une histoire très très sympa. Ce qu'on va jouer actuellement, ça va être la démo qui est actuelle, parce que le jeu est en Early Access, vous pouvez le trouver sur Steam. Vous avez plusieurs modes de jeu, comme vous pouvez le voir. Vous avez l'histoire classique, vous avez des donjons puzzle, parce que vous allez voir que notre personnage a des capacités qui lui permettent de résoudre des casse-têtes, et ainsi de suite. Et exploration qui donne un petit peu une base du terrain d'entraînement. Donc on va y aller, on va tout simplement commencer par mode story. Bonsoir Millet, est-ce que tu peux me dire si le son et l'image fonctionnent? Donc voilà, après on a les classiques options, hein, pour le moment le jeu est en anglais ou en allemand. On peut régler la vitesse, l'accès, enfin bref, les options, il y en a partout. Vous pouvez vraiment customiser comme vous voulez le jeu, et ainsi de suite, donc c'est vraiment pas mal du tout. Allez, c'est parti. Je sais que tu m'entends. Où est-ce qu'il est ? Shizuka, je dois te demander de quitter. Donc, tu le gardes ici ? Qu'est-ce que tu crois que tu fais ? Nous sommes à court de temps. Nous n'avons pas le choix. Donc, tu fais travailler une personne qui est en train de mourir, et tu le fais travailler jusqu'à son dernier souffle, c'est ça ? J'y vais. Et je vais lui parler pour le faire rendre à la raison. Ne reste pas dans ma ne reste pas sur mon chemin. Shizuka, s'il te plaît, ne le fais pas ça. C'est mignon, mais très très sombre. Enfin, je parle au niveau de l'histoire. Je suis désolé, mais je peux pas aller plus te laisser aller plus loin. Vraiment. Tu devras faire mieux que ça. Alors, notre personnage a des dodges, comme vous pouvez le voir. Il peut en enchaîner 3 d'affilée avant d'être épuisé. Mais bon, ça se récupère très vite. Ensuite, donc, combat au sabre. Tu sais que c'est ce qu'il veut aussi. Bien sûr, t'as qu'à croire ça. Tu ne m'écoutes pas. Les ennemis de glace, qu'est-ce que c'est créatif. Oui, parce que notre arme peut s'adapter à différents éléments. Mais je vous l'expliquerai en fait quand on va passer au mode créatif plus tard. Si tu l'arrêtes, tout le travail que nous avons fait sera perdu. Et alors? Ok. C'est ça. Tu sais pas quand t'arrêter, c'est ça? Regarde. Tu peux envoyer autant d'ennemis que tu veux. Le level entre eux n'est pas exactement en ta faveur.
Satoshi. Ma sœur. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Tu n'es pas dans les conditions pour faire ce type de travail maintenant. Tout ce que tu dois faire est de te reposer. Pourquoi je devrais me reposer? Lorsque je vais faire une découverte. J'ai besoin de faire de finir ce travail. C'est mon dernier devoir. Je t'ai parlé déjà du contrat. Je finis ça et ils te laisseront partir. Non, je ne le veux pas. Satoshi, arrête-toi. C'est fait. Non! Shizuka, je suis désolé. Je suis tellement désolé que tu aies été mêlé à ça. Promets-moi que tu vas partir, s'il te plaît. Ah, d'accord. Donc Mie me dit que Beyond Recovery, quand je suis déjà loin de pouvoir être soigné. Alors, la démo est encore très très courte, hein. Le jeu est en développement, donc il y a des grandes chances que pendant ce stream, vous voyez l'ensemble de la démo quasiment. Vous allez voir qu'il y a des petites idées scénaristiques originales. Et voilà, l'initialisation est un succès. Oh, est-ce que le système de langage fonctionne mal? Apparemment. Bon, vous avez quelque chose à du mal aller. Mais tu me comprends, c'est ça? Bien, mettons-nous au travail alors. Tu es probablement confuse à propos de la situation, c'est ça? Bien, commençons par quelques petits pas. Est-ce que tu te souviens du CVRP? Le projectile virtuel de ricochet. Hein? Les balles. Ok, tu sembles te souvenir. Carla, on est prêt. Commence la séquence d'entraînement. Les VRP, ce sont ton principal outil et arme. C'est comme des balles. Ce que tu vas devoir faire, c'est de frapper les balles avec les toutes. Mais enfin, blabla, hop, vous aurez compris. Vous allez très vite comprendre pourquoi le jeu peut être à la fois un casse-tête et un action RPG. Mon travail. Bon, juste pour être sûr. Recommence cet exercice avec une distance plus longue. Et j'adore la gueule du personnage. Les réactions de notre perso. Alors, quelque chose de particulier avec les VRP, c'est qu'ils n'ont pas de problème de... Comment ça s'appelle ? De gravité. Donc, ils peuvent aller aussi loin qu'ils veulent. Bernac. Ah oui, j'en ai oublié un. Très bien. Bien. Maintenant, activons le mode charge. Tu peux activer les boules chargées à condition de viser pendant longtemps. Allez, entraînons. Donc voilà, la particularité du mode charge, c'est de pouvoir faire des ricochets. Alors, c'était rapide. Je suppose que je parle un peu trop. La tête du perso, j'adore.
Bien, suffisamment d'entraînement au VRP. Il est maintenant temps que tu puisses poser pied à terre. Car là, on a fini ici. Tu peux terminer la séquence de flottage. Hey, girl, hey, petite fille, bienvenue sur notre confortable cargo. Je suis Carla. C'est une joie de te rencontrer. C'est sûr que tu es plutôt calme. Apparemment, il y a eu un problème avec son système de langage. Elle nous comprend, ceci dit. Ah bon? Il y a un moyen de fixer ça? Je ne sais pas encore. J'ai besoin de regarder un peu. Très bien. Je suis sûr que nous sommes capables de nous comprendre toutes les deux. Tu sais, tout ce qui est la communication sans langage, quoi. Bien. J'aimerais bien connaître ton nom. Sergueï, tu peux nous aider? Bien sûr, son nom est Léa. Léa? C'est mignon. Bien, Léa. Prête à y aller? Nous sommes préparés à ta venue. Le lancer de balles et tout ça, tu sais. Et j'ai juste tout préparé pour ça. Suis-moi. Très bien, c'est parti. Ton devoir maintenant est d'atteindre la porte au bout de la pièce. Et t'inquiète pas pour moi, je vais juste regarder et je vais juste rester ici, enfin, voilà, et regarder un œil sur tout ça. Je vais te donner quelques indices. Si tu es capable de demander gentiment, tu sais. Ah oui, ne t'inquiète pas pour les lunettes, j'ai besoin de ça pour voir ce que tu fais. Ne t'inquiète pas pour ça, nous t'expliquerons plus tard. Comme vous pouvez le voir, le jeu joue beaucoup sur le système des hauteurs. Et comme vous le verrez sur le terrain libre, les zones peuvent être avec énormément de dénivelé. Alors vous noterez qu'elle n'a plus son arme au corps à corps. Ah, celle-là est une de mes favorites. Allez, tu peux être sauvage autant que tu veux sur ces robots souris. C'est un entraînement sur des cibles en mouvement. Allez, amuse-toi bien. Alors comme vous voyez, il y a le compteur en bas des ennemis qui restent.
Bienvenue à la forteresse des rats. Impénétrable depuis des siècles. Apparemment, quelqu'un a eu de l'amusement et du temps à perdre pour la construire. Alors le jeu est bien animé, les musiques sont très agréables. Je trouve qu'elles ont un petit fond de Phantasy Star Online au niveau des sons et des connotations. Et oui, on va se taper des ennemis qui vont vraiment frapper. Mais bon, si tu es battu à ce point, tu réapparaîtras ici dans cette pièce. Ça veut dire que tu n'as pas de vrai danger. Allez, va botter des culs. Ah, juste un moment. Laisse-moi démarrer le module de course. Avant qu'on commence cette bataille. C'est essentiel pour le combat. Et puis, ça t'aide surtout à aller éviter les ennemis très rapidement. Et il a raison. Allez, entre dans la pièce et commence ton bottage de cul. Ah oui, donc la balle chargée a la particularité de également déconcentrer les ennemis quand ils sont en train de charger une attaque. Comme là, vous voyez, j'ai bloqué le mec en plein chargement d'une attaque qu'il était en train de démarrer. Hé, championne! Calme un peu ton adrénaline pour une seconde. Nous avons besoin de rajouter un petit peu de peps à ton arsenal. Et quelque chose de tranchant. Ah, je vois qu'on a ton attention. Sergei, t'as fini? Oui. Déblocage du système d'impact. Oui, enfin, Virtual Proximity Impact, je vous fais pas la traduction, c'est assez. Bien. Avec ses systèmes de frappe au corps à corps, appelés VPI, tu peux rapidement frapper plusieurs cibles à la fois sur ton chemin. Seulement ceux près de toi, bien sûr. Tranchant comme une épée. Maintenant, commençons par ouvrir le chemin devant nous. Attends une autre seconde. Oui, je sais, une seconde attendue est une attaque perdue. C'est bien, nous savons que... Putain, je vous laisse les textes parce qu'à force de traduire. Alors, bon, devant la demande de Millet, je vais essayer de faire la traduction en direct.
Ah, tu as juste traversé la ligne finale, enfin la ligne d'arrivée. Félicitations. Sérieusement, c'était rapide. C'est comme si tu n'avais jamais oublié les bases. Oh, ça semble encore un peu vague pour toi. Je suppose qu'il est temps que nous expliquions toutes les circonstances. Tu paries, oui. Mais commençons par prendre une petite pause avant ça, d'accord? J'ai toujours besoin de mettre mon rapport au capitaine. Il veut rencontrer Léa. Bonne idée. Il vaut mieux pas faire attendre Jet. Allez, viens Léa. Par ici. Parfait. Droit sur le pont. Oh, Léa. Ne t'inquiète pas à propos, j'y pense. Ne t'inquiète pas à propos du capitaine et le fait qu'il soit un peu grand. C'est juste tel qu'il est. Capitaine, je suis là pour le rapport. Je vois ça, vas-y. Initiation ? Pouf, facile. C'est l'avatar, Léa, elle s'appelle. Oh, dur de perdre ça. J'espère que nous allons pas. J'espère que. Bon, là je vous laisse. Des cornes laissées. Qu'elle ne va pas tout toucher avec ses cornes. Voilà. Attends. Tu vas pas me dire que tu avais pas vu les cornes jusqu'à maintenant, Léa. Bien, de toute façon, faites de manière à ce que tout soit nettoyé, le bordel que vous avez mis dans la soute du cargo. Oui, capitaine. J'espère que Sergueï est satisfait. Est-ce qu'il est quelque part? Oui. Laissez-moi juste mettre vos lunettes pour une seconde. Salut, Jet. Ah, mon ami. C'était il y a longtemps. En effet. Et tu es toujours attaché à ce jetpack, je vois. Tu sais, je ne traverse jamais les océans sans ma bonne vieille Betty. Enfin, de toute façon, j'espère que tous les voyageurs, tous les deux, bientôt. Un avatar sur le navire est toujours signe de mauvais d'ennui. Bien sûr, nous allons faire aussi vite que possible. Captain, quelle présentation c'est censé être? Et si nous amenions Jet faire un peu de combat? Vous pourrez nous tenir et nous parler de tous vos mouvements de combat des vieux jours. Et puis, j'y pense, peut-être que vous voudriez donner à Léa une petite leçon de combat? Vous êtes en train de me dire que cette petite fille est prête pour le combat? Oh oui. Bien, nous allons voir ça. Venez me parler plus tard dans la journée. Bien. Maintenant, si vous voulez m'excuser, vous pouvez voir les alentours du bateau, mais ne vous attirez pas dans nous. Très bien, capitaine. Bien, Léa, c'est le moment de prendre un peu d'air frais. Bienvenue à bord du MS Solar.
plutôt un bon avis, hein. Tu sais, la vue ici est belle. Mais tu ferais mieux de voir le bas. Nous allons actuellement vers Rombus Square. C'est something, c'est quelque chose à voir. Actuellement, pourquoi on ne lui explique pas la situation? Voir Rombus Square sera plus facile pour elle pour comprendre, non? Hé, bonne idée, Sergueï. Suis-moi, Léa. Vous m'excuserez si je me casse pas le cul à changer de voix sans arrêt. Hé, c'est elle, c'est l'avatar. Et c'est une sphéromancer. Qu'est-ce qui peut être plus badass que ça? Ah, tu dois avoir ton premier fan, Léa. Hé, hey, Carla, sympa de te voir. À propos de toutes ces étranges caisses là, oui, je sais, je suis supposé les nettoyer. Mais actuellement, j'ai besoin de m'occuper de l'avatar. Tu comprends? Peut-être je vais le faire plus tard dans la journée. Allez, à plus tard. Et elle est partie. Et elle dit exactement la même chose qu'hier. Une sphéromancer, so cool. des fois j'arrive à remplacer les mots. La pourroue est pile devant. Ça fait une petite marche. Suis-moi. Hey, maintenant, viens voir ça. Alors, comment commencer ça? Déjà, bienvenue dans Crossworld. Un pas après l'autre, Carla. Léa, est-ce que tu te souviens du concept des MMOG? Les jeux online multijoueurs. Pas besoin de les faire expliquer, tout le monde connaît aujourd'hui. Très bien. Maintenant, Crossworld, c'est un G avec une très grosse différence. Le monde de ce jeu n'est pas virtuel, il est réel. Tous les joueurs sont connectés à ce monde à travers des avatars spéciaux. Ces avatars sont particulièrement bien connectés à tous les cinq sens des joueurs. Et toi, Léa, tu es actuellement dans ce jeu. Oh, moi, non, je ne suis pas une joueuse. Je travaille juste ici. En fait, tu es le seul avatar dans tout le navire. C'est ça, le cargo appartient au staff de maintenance de Crossworld. Le jeu actuel prend place dans le pays que tu vois ici, The Playworld. La raison pour laquelle tu es là, Léa, est parce que tu n'es pas une joueuse régulière. Tu as perdu ta mémoire et nous essayons de la charger, de la retrouver, de la charger. Tu vois, tu as été dans ce jeu avant. Tu as été reconnu sur le jeu, logué. Il y a peut-être une chance que tu te rappelles de ton passé. Et c'est pour ça que nous essayons de t'amener sur le véritable terrain de jeu. Oui, en fait, en fait, tu vas aller dans ce palace de verre qui est une cité juste devant toi. C'est Rombus Square, c'est là où tous les joueurs commencent. Bien, j'ai besoin de... J'espère, je devine que cela t'a permis d'y voir un peu plus clair, n'est-ce pas?
Bien. Si je pense que c'est le bon moment pour se séparer. Je vais voir le capitaine et l'aider dans la leçon de combat avec toi. Toutefois, tu pourras garder autour du navire si tu veux. L'équipage connaît tout. Je suppose que tu le sais, ça. Tu peux me voir plus tard auprès du capitaine. Jusque-là, ne tombe pas dans l'eau. Léa, j'ai jeté un œil sur le système de discussion. Je suis désolé, je ne pense pas être capable de réparer toutes les pannes de suite. Toutefois, j'ai fait un petit travail autour. J'ai difficilement été capable de faire un code spécifique dans ton module de discussion. Ça veut dire que tu peux être capable de dire certains mots. Ça va peut-être t'aider un peu, n'est-ce pas? Ou bien, essayons. Nouveau mot. Allez, yo. Ça marche. Ça devrait t'aider pour commencer quelques conversations avec l'équipage ici. Salut, tu dois être une invitée du bateau, n'est-ce pas? Allez, ne sois pas timide, nous avons l'air peut-être un peu brutaux, mais nous sommes plutôt faciles à vivre. Est-ce que tu veux savoir ce que je fais ici? Je suis en train de m'occuper des panneaux solaires. C'est notre source primaire d'énergie, donc il vaudrait mieux qu'ils fonctionnent correctement. Sinon, notre superbe et brillant MS Solar ne bougerait pas d'un centimètre. Crois-moi, rester bloqué sur un océan trop longtemps n'est pas quelque chose que tu as envie d'expérimenter. Je suppose que cet homme n'a pas repéré que tu étais un avatar. Oh, regardez qui c'est. Tu dois être l'avatar, n'est-ce pas? Eh bien, bienvenue sur le MS Solar. Et si tu te penches un peu à la rambarde, tu pourras même voir le nom du vaisseau. Fais attention de ne pas tomber dans l'océan. Hein. Je suis plutôt sûr que les avatars sont plutôt mauvais en natation. Hé, hey, tu peux pas voir que je suis occupé ici. Attends, qui es-tu? Ah oui, je me souviens maintenant. Tu es un pseudo-robot. Hé, hey, pas d'offense. Tu sais, j'ai récemment eu une discussion avec un collègue. C'était à propos des avatars qui sont la même chose que des robots. Et j'ai insisté que non. Les avatars sont juste fragiles. Je vous laisse traduire. Tout le monde sait que les vrais robots sont faits de métal, comme ces beautés ici. Donc je ne peux pas spécialement partager l'excitation de mes collègues avant ta présence. Tu es juste un avatar, pas un vrai robot, tu vois. Bien, ceci dit, j'ai besoin de m'occuper de mon petit bébé ici, donc si tu veux m'excuser. Oh, mademoiselle l'avatar est là. Oh, elle peut parler maintenant. Ah, calme-toi. Carla est juste passée devant nous encore. Elle nous a dit que tu pourrais t'occuper des caisses ici. Je veux dire, vraiment, tu crois cette femme? Maintenant, elle laisse son travail à nos invités. Ouais, marque un point. C'est facile de détruire ces caisses avec tes armes d'avatar. Super.
S'il te plaît, je veux voir ça. Hé, hey, pas de pression, tu sais. Tu es juste notre invité, après tout. Mais si tu aides, ça nous filerait un sacré coup, non? Est-ce que tu veux bien détruire les boîtes pour nous? Oui, montre-nous les balles. Alors la particularité de ces caisses, si vous n'avez pas compris, c'est qu'elles ne se détruisent que d'un côté. C'est nettoyé, vraiment super, vraiment super. Je suis vraiment surpris de la vitesse à laquelle ces balles sont capables de voler. De quoi tu parles? J'ai vu aucune balle, seulement les boîtes qui disparaissaient pour une raison quelconque. Oui, tu as besoin de ces lunettes pour les voir. Les balles et leur impact, tout ça, tous les systèmes virtuels et ainsi de suite. Je vois. Donc, c'est pour ça que tu portes ces lunettes bizarres tout le temps. Bizarre? Tu ne connais rien à propos du style, ma petite femme. Petite demoiselle. Oui, enfin. Merci de nous avoir aidés. Oui, merci beaucoup, mademoiselle l'Avatar. Oh, tu parles! Ta voix est finalement revenue? Eh, c'est pas tout à fait ça. Son système de discussion est toujours en panne. J'ai juste pu dire le mot bonjour dans son système. C'est tout ce qu'elle peut dire pour le moment. Je suis en train de travailler à rajouter d'autres mots. Tu vois, c'est un début, je suppose. Enfin, le capitaine et moi avons prévu ta session d'entraînement. Et tu es toujours prête à y aller? Ouais, ça va être intéressant. Bien, je dois aller dans ma cabine pour quelques préparations. Je serai prête dans peu de temps. Donc, tu as qu'à rester avec le capitaine? Je te vois plus tard. Bien, je vais aller sur le pont. Tu peux me parler quand tu seras prête pour la leçon. Et sois sûre d'être prête. J'ai besoin de toute ton attention. Vous deux. Soyez sûrs d'avoir nettoyé la cuisine après que vous avez fini de cuisiner, d'accord? Hi hi, Captain. C'est pas comme si on allait oublier depuis la dernière fois qu'il nous l'a dit. C'était pas hier. Et nous y voilà. Je trouve que c'est un moment magnifique pour ta leçon. T'es prête? Bien, allons sur le balcon. Bien, nous y voici. Carla, est-ce que tu es prête? Oui, capitaine, n'oubliez pas les lunettes. Ah oui. J'ai pas porté ça depuis quelques temps. Bien, il est temps de démarrer. J'ai appris que tu avais appris les bases dans la soute du cargo. Bien, je veux que tu maintenant te montres certaines choses.
Carla prépare le robot cible. Il est temps de dire bonjour à un vieux et à un vieil ami. Écoute-moi bien, je veux que tu frappes ce robot à cette distance 10 fois. Et fais-le rapidement, tu as compris ? C'est bien, tu as compris les basiques. Ça va rendre les choses plus faciles. Car là, on a besoin de la tourelle maintenant. Allez, il est temps de démarrer la vieille Betty. Maintenant, nous allons pratiquer le dash. La tourelle va commencer à te tirer dessus. Je veux deux choses. D'abord, garder ton arme sur la tourelle, mais ne pas tirer. Deuxièmement, éviter les boulets de la tourelle sans perdre ton ciblage. Allez, c'est parti. Allez, ça commence bien. Tu as besoin d'être plus rapide que ça. Bon boulot. Allez, on arrête avec l'évitement. Maintenant, il est temps de commencer à attaquer. Qu'est-ce que c'était que ça? Me dis, tu ne sais pas utiliser la garde? Actuellement, Jet, il y a un problème en fait. Elle n'a pas de garde. J'ai oublié d'activer le module de garde. Sergei, tu es sérieux? Nous ne pouvons pas envoyer cette personne sur le champ de bataille sans un bouclier. Oui, je fixe ça tout de suite. Bien. Maintenant que tu as ton bouclier, est-ce que tu veux voir comment il fonctionne? Bien. Nouvel essai. Très bien. C'est toutes les bases que je peux t'apprendre pour maintenant. Maintenant, pour voir si tout est bon, faisons un combat contre la tourelle où tu peux utiliser tout ce qu'on t'a appris. Et peut-être que tu vas avoir une petite surprise. Allez, je vais prendre une petite inspiration. Parle-moi quand tu es prête. Allez, tu es prêt pour le combat? C'est ça que j'aime entendre. Comment c'est? Capitaine, je suis désolé de vous interrompre, mais on a besoin de vous sur le pont, tout de suite! Quel est le problème? Quelque chose est en train de nous approcher rapidement. Ah. Désolé, nous avons besoin d'arrêter ici. Le devoir m'appelle. Car là, je veux que tu nettoies le balcon et ensuite que tu me rejoignes au pont. Très bien. J'ai aucune idée de ce qui se passe ici, mais tu ferais mieux de rentrer à l'intérieur aussi. C'est toujours sur le radar, et ça avance à une très grande vitesse. Pas de transmission, pas de vaisseau, pas de navire ici. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine, je crois que je l'ai attrapé sur le satellite. Vous devriez voir ça. Thank you.
Quelle est cette partie, cette... Qu'est-ce que nous avons là? C'est un vaisseau. C'est un navire. Mieux, c'est un cargo. Vous avez l'air de quelqu'un qui est sorti tout droit de Crossword. Ce navire ne fait pas partie du playground. Donc ne soyez pas nuisants et allez vous prendre. Nous sommes au courant de la nature de cette place. Et nous sommes capables de percevoir la présence d'une autre personne mal placée. Ce n'est pas tes honneurs. Partez de ce vaisseau et retournez au jeu. Insolent mortel. Tu crois vraiment que je vais t'obéir? Est-ce que tu viens juste de m'appeler mortel? Eh bien, tu ferais mieux de partir maintenant ou je vais te rappeler à la réalité. Tu m'ennuies. Nous choisissons de ne plus parler avec quelqu'un comme toi. Bien, nos recherches sont visiblement finies. Toi, tu ne devrais pas être là. Tu as besoin d'être effacé. Attends, tu sembles un peu trop familière. Pourquoi? Ça ne peut pas être. Ça pourrait être une sacrée correspondance. Mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Quelle place fantastique nous avons là. Il est temps de faire face à ton essai. Voyons voir si tu es une... Normalement, une démonstration de tes talents devrait suffire comme preuve. Léa, est-ce que tu m'entends? Je suis juste confus à propos de cette entière situation. C'est certainement un gâchis ou un problème, mais nous avons besoin de te sortir de là. Pour le moment, accepte le challenge et occupe-toi et garde-le occupé. Je sais, cet ennemi semble intimidant, mais ne perds pas espoir. Je suis confiant que tu sois capable de le prendre en main. Parce que je peux voir ses statistiques de combat. Elles correspondent à ton level. Raté. Aïe, si, non, pas raté là. Et oui, parce qu'on a un système de leveling qui est plutôt bien foutu. Classique, mais bien foutu. Je vous montrerai ça tout de suite après. Ces mouvements.
ils ne peuvent se retrouver en double dans ce monde. Vraiment, il n'y a aucun doute à procéder sur cela. Quand est-ce que nous avons posé les yeux pour la dernière fois sur toi? Ah oui, toi et ton espèce de valet incomplet. Bien, tu as la plupart de notre attention. Tu viens avec nous. Salutations des doigts du soleil. Alors quoi? Ton pouvoir divin ne peut pas supporter une simple explosion? Quoi? Ok, nous avons besoin que tu partes de ce vaisseau, maintenant. Carla, amène-la au téléporteur aussi rapidement que possible. Et dis-moi une fois que vous avez quitté le navire. Je veux être sûr qu'aucune trace de Crossworld peut être trouvée sur ce navire. Ok, Captain, suis-moi. Bien. Notre discussion n'était pas complète. Tu ne t'échapperas pas à ton gré. Tu nous as déjà rattrapé? Léa, ce sont des adversaires de haut niveau. Tu ne peux pas les affronter et va directement au téléporteur. Pour en sentir ta peur, chaque pas. Ta fuite est inutile. Alors, c'est simple, hein, ses adversaires nous one-shot la gueule. Pour résumer. Comment on va passer celui-là? Hey, j'ai une idée! Et nous y voilà encore. Il est temps pour toi de quitter cette partie. Allez, ce n'est pas le bon temps pour avoir des adieux larmoyants. Et en plus, on a ces mecs-là. Allez, au revoir Léa. Et amuse-toi bien à Crossworld. Le générique. Hein. Voilà, ça c'était la fin du démo de la démo histoire. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus du gameplay avec le système d'exploration. Hey, comment tu vas? Je suis pas surprise que tu sois un peu confuse. Oui. Allez, hop. Donc on va passer ça, hein. C'est juste les explications que vous pourrez voir. Alors, déjà, le menu se présente ainsi. Donc le système d'équipement classique. On va en profiter pour équiper Léa. Voilà, ça lui ira déjà mieux. Ensuite, Léa donc, a un inventaire classique, hein, divisé en plusieurs sortes, comme d'habitude. Et ensuite, on a le système de circuit. Alors, comme on peut voir, le système de circuit est assez large. Mais qu'est-il donc?
le système de circuit, ce n'est rien d'autre que le système de compétences de Léa. Voilà, à chaque fois que l'on gagnera un level, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, il y a un petit CP avec 2, ce qui veut dire que j'ai 2 points de compétences actuellement. Et que je peux démarrer certaines compétences. Quand on voit le gigantisme qui aura lieu à la fin, au niveau des larmes de talent, c'est assez impressionnant. Bien sûr, certaines choses ne sont pas encore implémentées. Alors, nous avons nos capacités de combat classiques, mais en plus, maintenant, on va avoir le premier système. C'est-à-dire que on peut choisir des attaques élémentaires, comme le faisait la nana du début. La particularité de ce système, et est-ce que vous voyez en haut l'endroit où il y a HP et SP et la petite flamme à côté? Vous allez. La flamme est en train de se remplir. Et c'est particulièrement important. Quand l'icône arrive jusqu'au bout, ça veut dire que votre arme est en train de surcharger. Elle va passer en mode. Elle va être complètement HS pendant longtemps, le temps qu'elle refroidisse. Et vous vous retrouverez qu'avec votre arme de base. Et oui, les attaques élémentaires doivent être utilisées avec parcimonie. Et vous devez switcher régulièrement de manière à éviter que votre arme rentre en surchauffe. Ce qui est pas mal du tout. Voilà, simple et efficace. Je vais vous montrer ce que ça donne en surchauffe. Enfin, si j'y arrive. Vous voyez, l'arme est en train vraiment de surcharger, de surchauffer. D'ailleurs, on le voit au bord de l'écran, hein. Le clignotement est dû à ça. Voilà. Surchauffe de l'arme, du coup je ne peux plus l'utiliser. Mais comme vous voyez, l'icône est en train de clignoter et le niveau est en train de redescendre, me signalant que l'arme est en train de refroidir. Alors je reste concentré parce que là il est très facile de mourir, les ennemis sont nombreux. Par contre ça va me filer de l'exp. Voilà. Normalement, j'ai de quoi prendre un niveau. Même pas. Blague. Donc voilà, c'est une petite explication du système de combat et ainsi de suite. Ensuite.
On va retourner au combat et je vais au combat au système de menu et je vais vous présenter le système de puzzle. Oh, ils ont rajouté une banderole de bienvenue. Comme c'est charitable. C'est supposé être le premier donjon pour les nouveaux joueurs. Ça doit être faisable pour toi. Spécialement après le fait que l'entraînement, le parcours de Carla sur le carreau. Ah, je vois une note ici des développeurs. Désolé, ce donjon est toujours incomplet. Nous allons rajouter de nouveaux contenus dans la prochaine release. Hein? C'est étrange. Je croyais que Crossword avait était sorti quelques années avant. Enfin. Il doit y avoir encore quelques puzzles à résoudre ici. Donc comme vous voyez, le jeu se partage déjà dans différents systèmes. Ce qui est intéressant de la part des développeurs. Un mode histoire bien sympa. Bon, là pour le moment, bien sûr, les... Ah, merde. Forcément, les donjons ne vont pas être casse-tête, hein. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Merde, j'ai été trop long. Trop lent, trop lent. Et on refait un tour. Qui veut attraper la queue du Mickey? Merde. Il fallait bien un fail, hein. J'avais pas trop fait de fail jusqu'à présent, mais il en fallait un. Alors la maniabilité du jeu, ça répond aussi au doigt et à l'œil, c'est super agréable. Zou, j'ai dit. Allez, voilà. Fouh. Fouh.
Voilà, c'est un système de jeu qui est vraiment très sympa. Hop là. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai quelques heures d'entraînement dessus. Enfin, quelques heures. J'ai retourné un peu la démo. Hein. Après, on se retrouve avec les casse-têtes classiques. Hein. Ah, bordel! Ah oui. Hop. Voilà qui est mieux. Hop là. Alors là, on voit que l'ennemi devient intelligent. Pourquoi je dis que l'ennemi est intelligent? Parce que si je fais lever les panneaux, il va activer l'autre de manière à me faire descendre les protections. Et là, je suis en train de me faire bourrer comme un con. Deuxième phase. Ah, je me suis pris les balles dans la gueule. Voilà, activation du mode bouclier.
Hop, voilà. Est-ce que tu es prêt pour prendre le challenge final? Sachant que c'est la mascotte de la boîte qui fait le jeu qui vient d'apparaître. On en a 26. Alors, à noter que en mode puzzle, on n'a pas le système, du moins pour le moment, d'armes élémentaires. Oui, c'est la revanche des rats. Et voilà. Donc voilà, je vous ai présenté le jeu. J'espère que ça vous a plu. Franchement, vu ce qu'il promet, et ainsi de suite, personnellement, je suis pour et je vous recommande, j'espère vous avoir convaincu d'avoir investi dans ce jeu. Actuellement il est un peu cher pour le contenu qu'il a, il est à 19,99€. Mais c'est un jeu qui a beaucoup d'idées, qui est franchement très sympathique, qui a l'air d'avoir une histoire très agréable. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu pendant cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt sur les gamers du Pixel Perdu. Passez une bonne soirée, une bonne fin de week-end et à bientôt.